Le rôle de Tirinto dans Himeneo n'est pas un rôle de sopraniste. C'est plutôt un rôle d'alto ou de mezzo-soprano. C'est parfait pour un contre-ténor. Je reconnais que pour moi, l'exercice est très fatigant. Je suis obligé de chanter très bas en permanence et ce n'est pas aussi réussi que j'aimerais. Mais la musique est si belle et si riche que j'ai toujours beaucoup de plaisir à l'interpréter. Handel n'avait pas dû trouver de bon castrat avec une belle voix de sopraniste, parce qu'il n'y a aucun grand rôle de sopraniste dans ses opéras. Tout a commencé sur une plaisanterie. J'étais capable de chanter aussi aucune femme. C'était drôle. Mes collègues chantaient un truc et je répondais avec une voix de femme. Et puis un jour, le directeur de l'opéra de chambre de Varsovie m'a proposé de faire ça sur scène. On a fait une répétition et j'ai tout chanté à l'octave. C'était l'Orfeo de Monteverdi. Et finalement, le directeur m'a proposé, pour la première fois, le rôle de Néron. Ensuite, Jean-Claude Magloire est venu à Varsovie et m'a proposé une grande tournée en France. Et puis il y a eu Munich, Hambourg. C'est comme ça que tout a commencé. J'y suis enfin arrivé. J'ai décroché une audition pour un rôle de ténor sur la scène d'un grand opéra. Pour un rôle dont j'ai toujours rêvé. Je sais qu'il sera très dur de changer de voix, de passer soudain à des rôles de ténor dramatique, comme Othello ou Don Alvaro. Więc
Il faut que je m'entraîne pour être sûr de gérer le stress, de supporter la pression. On me propose d'auditionner devant le directeur d'un grand opéra. C'est une chance qui ne se représentera peut-être jamais. Si je rate l'audition, je peux être sûr qu'on ne me rappellera plus pendant les 10 prochaines années. J'ai fait quelques erreurs. Des petites choses, je le sais. J'étais très tendu. C'est difficile de chanter un tel répertoire devant des gens qui me connaissent depuis 15 ans. C'est la première fois que j'interprétais en public un rôle de ténor dramatique, en l'occurrence le rôle d'Othello. Mais je crois que j'étais bon. Ça aurait pu être mieux. Mais ce serait déjà bien si tous les Othello chantaient comme ça. Daj Boże wszystkim Othellom, żeby tak śpiewali.